C'est parti, hier j'étais à l'avant-première du film d'Inox, Kaizen, et je voulais le débriefer avec vous en 3 minutes et 3 questions. La première c'est pourquoi ? Pourquoi je vous parle de ça ? Simplement parce qu'on est sur une chaîne où on parle d'outdoor, on est passionné, et l'idée c'est de transmettre un maximum sur cette chaîne notre passion pour tous les sports outdoor, la montagne et toutes ces choses-là. Donc évidemment c'est un film qui moi m'intéresse. Pourquoi ? Parce que je pense que ce film-là va pouvoir apporter une autre dimension à tout cet aspect outdoor et peut-être mettre des gens sur cette piste-là. L'autre chose qui est importante, et pourquoi, j'ai pu rencontrer Inox, j'ai pu vivre une expérience avec lui sous forme de communication pour notre enseigne Sport 2000. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir à des gens passionnés comme Romain. Merci à lui pour l'invitation à mon présent. Bah vraiment, c'est trop cool d'être passé. N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, vous abonner, ça soutient. J'ai eu deux trucs super importants pour le ski de rando, j'ai su que tu partais faire du ski de rando à Cham. Et comme ça, dans le rayon, je te montre. Pompe de Montbrison, c'est indispensable quand tu passes à Montbrison, il te faut de la forme de Montbrison. Attends, c'est du fromage. Ah oui, tu goûteras. Oh le goûter. C'est atypique, tu vois. J'en ai fait une vidéo, vous la retrouverez juste ici, où je vous explique tout. J'étais invité d'ailleurs par Webedia, par Inox indirectement, pas par lui-même, au Grand Rex à Paris, mais j'ai fait le choix plutôt de le regarder à domicile pour emmener les enfants parce qu'ils étaient vraiment demandeurs et ça m'aurait un peu peiné d'y aller tout seul à Paris. Donc je remercie Webedia, c'est super cool de m'avoir invité, mais j'ai fait le choix d'y aller avec les petits dans notre brave ville de Montbrison. Deuxième question, délire de riche. Alors on a pu voir ça, effectivement. Est-ce que c'est un délire de riche ? Bah oui, effectivement, on pourrait penser que c'est un délire de riche. Pourquoi ? Parce que c'est minimum, je crois, 40-50 000 euros avec la préparation, les sherpas, le fait de rester longtemps sur place, il faut s'acclimater. Si tu n'as pas les moyens, en tout cas, tu ne les fais pas. Tu ne les fais pas comme ça. Mais dans la réflexion, ce qu'Inox a voulu faire, c'est vivre une expérience. Il a passé énormément de temps à se préparer, à découvrir tous les aspects de la montagne. Et le but ultime d'un influenceur comme lui, c'est aussi de transmettre. Et du coup, est-ce que c'est un délire de riche ? À la limite, moi, je m'en fous. Ce que je veux savoir, c'est ce que ça peut donner sur toutes les populations qui le suivent, et qu'est-ce que ça va apporter comme information, et qu'est-ce que ça va permettre de faire. Et je veux absolument rien spoiler, mais en tout cas, moi je sors plutôt convaincu de ce film, et je pense que ça va transmettre un tas de choses, que ça va peut-être sortir des personnes de devant les écrans, que ça va peut-être permettre aussi à des personnes qui avaient des rêves qui leur semblaient inaccessibles de se dire « bon bah allez, j'y vais, je me lance », et c'est peut-être pas forcément le reste. Et d'ailleurs, je pense que pour ça, moi je mets une petite étoile de plus sur ce documentaire. Ça m'a pas forcément donné envie de faire l'Everest, même plutôt moins que plus, mais ça m'a donné envie de réaliser des projets, d'aller au bout des choses et de vivre des aventures à l'extérieur. Donc délire de riche, oui, on peut le voir comme ça, mais si on prend la balance, positive, négative, l'investissement, même écologique qui a été mis là-dedans, parce qu'il y a eu de la pollution évidemment, ben, je pense que de l'autre côté, ça va apporter beaucoup plus de plus et beaucoup plus de positivité pour que les gens peut-être polluent moins, aient plus conscience de la nature et se motivent à sortir et à vivre. C'est le message, en tout cas, je pense, ultime de ce film. Troisième question, valider. Valider, oui ou non ? Est-ce qu'il faut passer 2h45, parce que c'est long, devant ce film ? Je dirais que oui, ça ne m'a pas paru si long que ça. Moi. Je ne vais pas souvent au cinéma. J'aurais pu douter et me dire, voilà, après le repas, est-ce que j'aurais supporté 2h45 ? Je les ai largement supportés. Et est-ce que c'est validé ? Pour moi, oui, amplement. Parce que, comme je vous le disais, dans la balance positive-négative, le positif l'emporte largement avec, je pense, vraiment une influence positive qu'il peut y avoir sur tout un tas de personnes, pas simplement les générations qui le suivent. C'est hyper inspirant, c'est hyper motivant. Et je pense que ça, c'est le but ultime. Est-ce qu'il est arrivé au sommet ? Ça, pour ça, il faut aller voir le film. Et vous le savez, ceux qui ne l'ont pas vu en avant-première, il est diffusé très rapidement, dès le début de l'après-midi. Donc, je vous invite à aller sur sa page et à aller le suivre. Voilà. Merci encore Webedia d'avoir pu vivre, moi, cette petite aventure de l'intérieur, d'avoir supporté à une toute petite échelle ce projet. On est vraiment contents pour ça. Je vous dis à la prochaine. Ciao.